Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la guidance de septembre 2023 pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Allez, donc on commence toujours par le nombre, l'énergie avec l'oracle des nombres pour ce mois de septembre 2023. Je ne sais pas si j'ai pas dit 24 tout à l'heure, il me semble que si. Alors, septembre 2023. Pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge, s'il vous plaît. Hop. S'il vous plaît, un nombre. Merci. Oh, la persévérance. Excellent. Persévérance, l'âme 32. Alors, que nous dit-on pour cette persévérance? Voilà, c'est bien celui-là. Alors, la 32 vous dit, vous devez accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Conservez foi et patience, ayez confiance en vous et développez votre sagesse. En plus, nous avons, nous les Vierges, Mercure en maison 1 et rétrograde. Donc, quand Mercure est rétrograde, ça ne donne jamais rien de bien bon. Enfin, il faut faire avec. On va sûrement avoir des retards. On va sûrement avoir des problèmes d'ordinateur. On va sûrement avoir pas mal de choses. Mais bon, il faut faire avec, hein. Sachant que c'est notre signe. On ne peut pas, notre planète, on ne peut pas faire autrement. Alors, maison 1. Maison 2. Maison 3. Donc, toujours, hein, avec le cycle des 7, des 12 maisons. Les 7. Des 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Et voilà, donc les 12 maisons. Les 12 maisons, on met tout bien comme il faut pour que tout rentre dans le champ de vision, n'est-ce pas? Voilà, je crois que tout le monde est là, ouais, impeccable. Et en dos, on a, oh, le monde! Alors, le monde, c'est un fin de cycle et un début d'un autre. Alors, le fin de cycle avec le monde, ben, tout s'est bien passé. Donc, on arrive à avoir ce dont on veut, en fait. Hein. On a fait une fin de cycle et il y a un autre cycle qui commence. Voir maintenant s'il va commencer dans de bonnes intentions et de bon augure. On va voir avec la 1, ce que l'on voit de vous, la justice. Alors, on vous voit comme une personne droite, une personne juste, une personne qui sait ce qu'elle veut. Très justice, en fait. Hein. On est toujours en essayant de mettre les plateaux toujours plus ou moins dans le bon sens, toujours équilibré. Donc, on essaie d'avoir une vie équilibrée aussi. Et surtout avoir toutes les idées dans la tête, hein, d'être bien posé. À la 2, c'est donc les finances, vos propres finances, celles que vous gagnez et celles que peut-être votre patrimoine. Le pendu vous dit que faire peut-être un arrêt sur image sur vos dépenses. Alors peut-être que cet été, il y a eu pas mal de dépenses et là on vous dit, stop. Revoir un petit peu son carnet, recalculer, hein, les Vierges savent faire ça. Il faut faire des économies, hein, donc on fait des économies et on ne touche plus à rien. Avec le 3, la 3 vous dit, vous annonce donc avec vos frères et sœurs, le contact, la communication, les petits déplacements. La tempérance, ben là aussi c'est pareil, hein, la tempérance, on met un peu de l'eau dans son vin, on harmonise un petit peu tout le monde, on essaie de faire au mieux pour que tout le monde s'entende bien, on essaie aussi de prendre contact avec tout le monde, ne pas oublier personne, on est bien gentil en fait, voilà. Communication sympa.
Pour la maison 4 va vous parler de votre famille, si vous en avez créé une, ou de celle de vos parents, si vous êtes célibataire, et de tout votre patrimoine, aussi tout ce qui est vos aïeuls. La lune vous parle de sentiments profonds, de vos ressentis, de votre intuition. La lune, c'est la mère aussi. La lune, c'est très intériorisé. C'est tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc en maison 4, c'est aussi par rapport aux enfants. En maison 4, c'est un ressenti très fort pour la famille. Peut-être aussi d'aller voir votre famille. Ou peut-être vous avez peut-être des problèmes avec la famille. Mais là, pour le moment, avec la lune, c'est des ressentis assez. Comment dire? Il y a des hauts et des bas, voilà. C'est des ressentis, un coup ça va moins bien. C'est des humeurs aussi, beaucoup d'humeurs changeantes peut-être en famille. La maison 5, c'est la maison des enfants, la maison des plaisirs, je l'appelle. Les enfants, ça peut être la gare au jeu, ça peut être les vacances, ça peut être les amours aussi, les rencontres. Alors, vous avez l'empereur. L'empereur qui vous dit que bah, cette maison 5, bah, écoutez, vous êtes bien, vous êtes là où il faut. Si vous avez des enfants, vous savez quand même bien tenir les enfants, vous êtes respectueux, mais vous avez quand même une bonne tenue. Vous savez où vous allez. Dans les amours, c'est pareil. Bon, je ne sais pas si vous cherchez à avoir quelqu'un dans votre vie, mais là, on voit que. Vous êtes sûr de vous et que quelque part, si vous rencontrez quelqu'un, ben c'est bien. Voilà, ça, vous faites rien pour rencontrer, mais ça pourrait arriver. La maison 6, c'est la maison du boulot, dodo, aussi la maison des contraintes, c'est la maison aussi de la santé. On voit qu'avec le pape, alors le pape, vous allez peut-être faire des formations ou alors peut-être vous-même être formateur. Vous allez vous pouvez être un guide pour quelqu'un. Vous pouvez aussi rendre service à quelqu'un. Dans cette maison-ci, c'est le travail. Donc moi je vois mieux c'est la sagesse, c'est apprendre, c'est contacter les autres aussi, c'est apprendre aux autres comment faire, si on a un savoir-faire quelconque, on peut apprendre aux autres ce que l'on sait. Divulguer peut-être des secrets aussi. Et c'est aussi pour les contrats, l'officialisation. On peut signer des contrats en maison 6 avec le pape. La maison 7, c'est la maison des unions, des associations, des collaborations, c'est tout ce qui concerne l'autre ou les autres. Vous avez la roue. Ah, la roue qui tourne. Donc peut-être avec un projet de. Ben, ça peut être un projet de mise. Si c'est en amour, on peut se mettre ensemble hein, avec votre conjoint. Si c'est professionnel, on peut trouver soit un autre travail plus rémunérateur, parce qu'il vous en faudra là, hein, avec la maison 2 qui est un peu stagnée, ou qui a peut-être des rentrées d'argent qui ne viennent pas et qu'on attend, ça se peut aussi. Avec la roue de fortune en maison 7, on peut se mettre en association ou en union. Avec la maison 8, c'est la maison la maison 8, c'est la maison avec de l'argent des autres, pardon. C'est aussi des remises en question. C'est la maison avec l'argent des autres, ça peut être l'argent de votre conjoint, justement, si vous vous mettez ensemble. Ça peut être aussi l'argent de retraite, ça peut être l'argent d'un chômage, ça peut être aussi des assurances, ça peut être. Tout ce qui est social. Alors là, vous avez le jugement, mais inversé. Avec le jugement inversé, on voit qu'il y a peut-être un blocage. Il y a une évolution qui ne se fait pas, en fait. Est-ce que vous avez fait un dossier de quelque chose et que ce dossier, ben, il est un peu coincé quelque part? Vous n'avez pas la réponse escomptée. Le jugement, quand il est droit, on va vers du renouveau. Et là, apparemment, ben, ce renouveau, il ne vient pas. Peut-être revoir les choses, refaire un dossier si c'est un dossier qui bloque, mais il y a quelque chose qui bloque en maison 8. Donc peut-être aussi une remise en question. Vous n'arrivez pas à vous remettre en question, vous restez sur votre position et que peut-être en changeant quelque chose ou en remettant les pendules à l'heure, on va dire, on va peut-être
trouver un arrangement. Mais là, pour le moment, c'est un petit peu stagné, quoi. Hein. Là, le jugement inversé, c'est jamais très... On n'y a pas d'avo... y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancement. Pour la maison 9, hein, la maison 9, c'est le, tout ce qui concerne l'étranger, les langues étrangères, les étrangers eux-mêmes, la vie à l'étranger, les voyages et tout ce qui concerne aussi la spiritualité. Vous avez le battleur. Avec le battleur, on met quelque chose en place. Ça peut être un travail à l'étranger, ça peut être des vacances à l'étranger, ça peut être, voilà, on met un projet en place. Ça peut être aussi spirituel, hein. Peut-être faire des contacts avec les médiums, avec l'astrologie, la cartomancie, enfin tout ce qui est médiumité. Mais là, c'est un projet qui commence, hein. D'où peut-être la maison 6 de vous renseigner sur quelqu'un qui sait les choses ou qui peut vous apprendre des choses. La maison 10, c'est tout ce qui est en rapport avec la destinée. Destinée, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. C'est votre chemin de vie. C'est là où vous devez aller. C'est les projets, les grands projets, la destinée. Ouh, le soleil. Excellent. Donc, avec le soleil, ben, votre destinée, elle est très bien. Allez, vous êtes éclairé. Vous avez quelque chose qui va vous guider là où vous devez aller. Alors, faites monter vos intuitions. Si vous avez des propositions, étudiez les propositions. Surtout qu'avec la route fortune en 7, ça pourrait bien avancer. Et pour le jugement en 8, c'est que quelque part, je pense qu'on vous pose la question de dire « faites de vous-même et n'attendez pas l'argent des autres ». Pour la maison 11, c'est tout ce qui est relationnel. Alors, ça peut être relation professionnelle, amicale, familiale aussi, hein, ou amoureux. La force veut dire de tenir bon. Alors, dans vos relations, ça peut être aussi d'être branché sur ce que vous voulez faire, vous, et ne pas tout le temps écouter les autres. La force de résister aussi. La force, c'est votre force de caractère qui peut faire mener les choses. On voit qu'avec la force en maison 11, c'est vous qui, même si vous êtes très entouré et qu'on vous conseille de faire les choses, faites avec votre force intérieure votre propre idée des choses. La maison 12, c'est tout ce qui peut être caché, ignoré, c'est ce que vous avez en vous. Tous les sentiments refoulés, ça peut être aussi tous les lieux cachés, les lieux secrets, comme les lieux fermés aussi, comme les hôpitaux, les prisons, tout ce qui est à l'intérieur. Le mât. Alors le mât est insouciant et en maison 12, il vous fait partir, mais peut-être partir plus... Alors pas partir concrètement, mais partir dans vos idées. Essayez d'avoir des idées plus neuves, plus comme un enfant pourrait rêver des choses, hein, parce que c'est les rêves aussi la maison 12, hein. Donc peut-être que vous rêvez de certaines choses et pour concrétiser ces choses-là, donc avec le mât, vous vous échappez un petit peu de votre, peut-être de votre quotidien, hein, mais vous échappez, vous voyez ailleurs, vous voyez peut-être dans d'autres contrées ou en faisant un autre travail ou avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Je crois que l'imagination avec le mât, et surtout en maison 12, est très, très développée. Voilà. Bah, écoutez, ça a l'air d'être pas mal pour ce mois-ci. Il y a quand même pas mal de... Et la force aussi, c'est la persévérance. J'ai oublié de vous le dire en maison 11. Et c'est quand même très, très diversifié tout ça. Il y a juste le jugement en maison 8 qui est inversé et qui ne vous fait pas trop avancer. Donc, et la maison 2, on vous voit qu'avec le... Il y a un blocage. Mais il y a, entre la 2 et la 8, je pense qu'il y a un blocage d'argent. Il y a des difficultés d'argent. Alors, soit vous attendez de l'argent qui ne vient pas, soit vous avez fait des dossiers pour avoir de l'argent des autres. Et là aussi, c'est un peu bloqué. C'est même beaucoup bloqué. Et on voit que question finance, les seules choses qui ne seraient un petit peu dans le
Dans le moyen, on va dire, ça sera quand même les finances. Le reste, c'est quand même très, très correct. Et on n'oublie pas quand même que l'on a le monde. Voilà, bah écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Pour les nouveaux, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve donc mi-septembre pour la guidance sentimentale et j'en ferai d'autres entre deux. Je vais peut-être refaire d'autres guidances sur les sentiments, sur... Là, j'avais un truc, c'était c'est quoi son problème? Alors bon, je vais voir faire d'autres guidances autres que tout ce qui concerne les signes astrologiques. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur cette guidance et puis n'hésitez pas de liker, de vous abonner, ça fait monter ma chaîne et puis on se retrouve le mois prochain. Bonne journée, au revoir.